Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on est avec l'équipe TV Caraïbes là depuis Bombardopolis. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas développer plusieurs points pour vous dans l'information, mais avant nous faire ça, l'équipe TV Caraïbes là veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros merci ben avec ça toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombardopolis, équipe TV Caraïbes là, nous apprécier ça en pile. Et bien nous pas perdre du temps, n'a dérouler avec information yo en ouais. Président République là, Jovenel Moïse rencontré directeur USAIDA Mark Green vendredi 13 décembre 2019 là. C'était une occasion pour poser divers problèmes humanitaires pays d'Haïti a fait face. Directeur USAIDA Mark Green renouvelé engagement institution la dirigé pour continuer à accompagner pays d'Haïti dans moment crise. Nous va perdre du temps non là. N'a commencé coulier. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre José Agenor Kader mandé responsable école yo pour joindre entente avec parents yo souffre yo te doit payer pour mois septembre rivé dans mois décembre là. D'après un circulaire le ministère a mis dehors, li fait connait l'école qui pas fonctionner pendant période crise là, pas gain droit réclamer aucun argent. Non mais parents yo. Rien remanié a. Li pas concerné l'école qui pas jamais camper yo. Parce que gon paquet d'école là qui déjà saute fait dans mois d'octobre passé a premier contrôle. Et dans calendrier remanié a, nous gon premier contrôle qui pas fait pile devant. Donc ça va concerner lui même il va faire deuxième contrôle normalement. Et bien c'est même gens tout programme à compétence minimale là, li concerné seulement l'école qui était perturbé, l'école qui était troublé par le travail. Parce que l'école qui n'a pas jamais campé, il y a temps pour rester dans le programme sans pas besoin de programme à compétence minimale. Donc, on est clair sur ça. Donc, on calendrier remanié pour l'école qui n'était pas continuer. Et en même temps, tout, c'est pour tout programme à compétence minimale. Maintenant, pour le deuxième aspect question, en tant que professionnel d'éducation, nous avons déjà prévu ça déjà. Et ça vient bien des semaines. Et nous, tous qui là comme journalistes, notre plate a joint nous. Côté ministère, a déjà fait paraître un circulaire pour te faire une mise en garde à l'école. Pour être capable d'éviter tout conflit entre parents et élèves. Nous avons parlé de question de conscience. Non, si qu'il est ça, qui ça nous dit? Nous te dit l'école qui n'a pas fourni aucun service, il n'a pas capable de demander par l'argent. Nous conscients tout, il y a de l'école qui fournit service, même les timoun n'est pas présent, pas de classe en présence, mais qui te travaille en ligne avec timoun yo. Timoun yo fait devoir. Il y a ça même tout récemment, il y a une grande revue composée. Donc là, vous comprenez, bon service qui fournit. Mais on l'école, ou pas de jambes ouvertes même partout, ou pas de faire rien avec timoun yo, ou pas capable de toucher. Ou pas capable de payer septembre, octobre, novembre, ou pas capable de. Donc nous te prenons ce qu'il est pour ça. Cependant, nous avons conseillé aux hôpitaux, tant à faire bruit dans la rue avec l'école, il faut qu'on entende. Associer à son parent l'école, il faut former un comité parent, qu'elle rencontre la direction de l'école pour entendre l'amiable. Okay. N'est-ce pas? Donc, moi, elle tape mieux. Entrepreneur haïtien Mike Bello lancé samedi 14 décembre sous marché à une nouvelle qualité valise qui marche avec panneau solaire qui relait solo bag. Nouveau valise solo bag ça permet génio recharger téléphone et puis étudier la nuit les pas gain courant. Solo bag là lui-même c'est un sac à dos à énergie solaire qui permet yon étudiant yon élève l'école ou bien n'importe particulier qui pa gen accès à l'électricité pour que le capable étudier la nuit, pour que le capable utiliser valise pour que le capable gagne lumière, pour que le capable clairer pour étudier, pour que le capable faire n'importe quoi de bagage, recharger téléphone, faire tout l'autre bagage. Donc ça c'est ça nous gen qui fait ensemble avec le plastique là. Donc ça tout ça que n'a gardé ici plastique là lui-même et puis il gagne ça c'est nylon là qui satin que nous fait la veille. Donc ça que on regarde là ça c'est panneau solaire là, panneau solaire qui dans valise là. Donc yon timon nous juste mettre dans dos marche ensemble avec elle et puis il tout après charger, il juste capter en soleil là et puis il tout après charger. Donc les que ou entre dans valise là. Les que vous avez dans la valise là, vous venez jouer, vous venez jouer lumière en dans la valise là. Donc batterie elle même tout intégré en dans lumière là. Donc vous seulement gagner pour qu'on capable allumer lumière là ou clic ou peser un petit bouton et pour allumer lumière là. Donc et puis nous gagnons un port USB tout qui trouvé en haut valise là. Donc port USB elle même li là ou juste connecter ou prendre un câble ou connecter
et puis vous connectez téléphone et puis lui même la charger. Voilà. Enfin, ya, il connecte téléphone et puis la charger. Donc il y a un espace en la valise là, on capable mettre laptop, on capable mettre toute bagage là-dedans. Il y a une poche dehors, on capable mettre de l'eau, on capable mettre toute bagage là-dedans. Donc ça c'est ça qui fait ensemble avec sachet de l'eau. Et puis nous gain ça, tout ça c'est un autre modèle tout qui fait ensemble avec et satin valise normale là. Donc lui même nous gain rouge là-dedans, nous gain gris, nous gain plusieurs couleurs là-dedans. Donc c'est toujours même système là que nous même nous utiliser, lumière là. Donc il y a espace pour qu'on capable mettre laptop, livre, tout bagage qu'on besoin. Donc si panneau solaire lui même il y a bon 2 ans, nous obligé font valise qui a baou autant de temps que panneau solaire lui même la baou. Donc 2 ans ça c'est quantité de temps que valise lui même la baou. Pour nous faire valise là et imperméable. Donc tant que gens qui expression en dit qui waterproof. Donc même si l'eau tombe là-dedans, n'importe bagage tombe là-dedans, il pas l'eau pas fait rien. Donc et puis l'autre bagaille c'est que c'est en façon qu'il a monté par nos soleils ensemble des points d'arrêt yo. Donc tout ça yo, nous make sure que nous avons autant de points d'arrêt même sous prend valise la gueule ou soutien ou la gueule en bas donc il pas craser pas rien qu'à faire donc il n'y a pas bien aucun problème et puis en panneau solaire que nous utilisons tous ces photos fines volcaniques là que nous utilisons qui c'est pas même si qu'elle cassé mais la toujours ba ou quantité énergie là sans problème que tu capable ba ou valise eux même il est disponible le 14 décembre dans Delma 27 numéro 3 dans complexe 327. Donc c'est là que on a passé pour capable acheter valise de 10h jusqu'à 4h dans l'après-midi. Donc depuis 10h nous a bien valise à cap vendre et puis à 2h nous avons une grande conférence de lancement que n'a fait ensemble avec Valisao, nous avons pile invité que nous qui a bien qui a parlé de entrepreneuriat, qui a parlé comment que on capable lancer business. Donc toute journée nous avons tout un ensemble d'événements pendant toute journée que yon monde au capable venir acheter valise. Donc les que acheter valise sur le bar, c'est pas valise ou acheter, c'est une solution que ou même acheter. Initiative ça prend l'idée pour créer un espace pour femmes qui dans domaine technologie chita parler et puis partager expérience à connaissance yo d'après président CCFEH là Daniel Ajac qui profite encourager mesdames yo utiliser technologie qui c'est un moyen pour yo briser quelques barrières sociales. Plus de détails dans micro Bilga Emilias et Max Ojo. Eh bien, année ça nous a travaillé avec deux partenaires pour que l'année prochaine, si nous sommes capables de venir plus grand, ça me les plus grand, nous allons étaler nous un peu plus dans les Caraïbes. Puisque définitivement, nous sommes presque certains que dans le mois de mai, cap venir là, 2020, eh bien, nous allons faire Sifnu et dans le pays Jamaïque. Et après ça, nous avons des possibilités puisque nous avons deux partenaires internationaux qui travaillent ensemble avec nous, qui peuvent permettre que plus de femmes en dans les Caraïbes sont capables d'avoir accès. Et mesdames, ça qui en Haïti, qui fait partie du réseau nous, ils ont même ils prennent sur site internet Sifnu qui c'est sifnu.tech. Et bien, ils ont des possibilités pour qu'ils aient mentor, ils ont discuter avec de l'autre femme dans l'autre pays qui dans domaine qui déjà réussi et qui capable de conseil, qui capable accompagner pour yo connaître qui ça pour réaliser projet que yo gagné entreprise que yo voulez lancer dans secteur là et qui gens capable avancer. Nous connaît que technologie en pile opportunité. Et du moment que on femme lui-même li rete fermé dans petit coin pal, li pa gen accès à technologie, li pa gen accès à toute connaissance ça yo, et bien femme ça lui-même li gen plus chance pour que li rete courbé en bas toute difficulté, problème genre, problème et qui gen rapport avec sexe li, avec niveau d'étude li, avec capacité que li gen pour le développer yo. Donc vraiment et Sifnu c'est occasion que mesdames yo gagnent en dans sou garder bien public dans rapport son public qui très jeune. Et nous encourager mesdames pour que de plus en plus utilisent technologie en l'autre gens. C'est une possibilité, c'est un plateau, une plateforme côté que nous bail mesdames qui dans domaine technologie espace pour échanger avec monde soit monde qui rive plus loin mais tout pour apprendre de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Spécialement Anissa nous venir avec une belle initiative côté que nous plus constituer de moins de conférences que possible mais de plus d'ateliers côté que capable apprendre des technical skills et tout des soft skills pour capable mieux armer pour marcher du numérique là qui vraiment a développé de jour en jour mais que mesdames surtout en Haïti manquer en avant ou du moins manquer préparé pour capable profiter de toute opportunité qui existe. Donc c'est ça que sommet a vienne faire, il vienne permettre que mesdames et jeunes ont espace pour grandir, pour échanger, pour rencontrer de nouveaux monde et pour tout apprendre de nouveaux bagages.
Sujet là c'est comment ou même en tant que utilisateur, c'est comprendre concept utilisateur là. Oui, gain développeur leur grand application ou grand logiciel, c'est pas seulement ou qui fait partie de et système là. Il y a monde qui a développé yo, ça n'est l'ingénieur là, monde qui vraiment technique là. Nous gain interface qui c'est plateforme là préparé pour nous hein. Et nous gain utilisateur là, c'est moi-même ou même tout le monde qui a utilisé et interface. Donc c'était ça plus ou moins sujet là, comment améliorer l'information sous données que nous a fourni monde qui a créé application. Voilà, équipe TV Caraïbes dit merci avec tout le monde qui était branché pour te cap tande dernière information. En tout cas tout le monde merci parce que nous t'es branché, pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.